En 9, s'il te plaît. Ok, on va voir ça. Il est où? Il est où? Il est là, le 9. Donc, on va voir le style qui se cache derrière. Anti-art. En 5, mais j'ai jamais fait ça. Attends, maintenant, faut juste chercher le numéro 5. Il est où? Il est là. Ok, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Let's go! Alors, le style anti-art, c'est un style que j'ai jamais fait, mais je vais vous expliquer vraiment ce que c'est. En gros, tu fais un dessin normal, tu vois, tranquille. Tu te prends pas la tête, et là, bam! Tu perds le contrôle, et tu commences à faire n'importe quoi sur ton dessin. Donc, vraiment, tu fais littéralement n'importe quoi sur ton dessin, en fait. Par exemple, là, des petits ronds, des petits traits, des petits venoms aussi, bien sûr. Mais ce qui est bien avec ce style, c'est que si t'es énervé, je sais pas, un jour, ou je sais pas, t'es revenu des cours, t'as une mauvaise note, et là, bam, tu peux faire n'importe quoi. Et tu vois, c'est ça qui est hyper cool avec ce style. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent actuellement la vidéo ont commenté LeBron James. Comme ça, t'as capté, je vais pouvoir vraiment voir qui sont les vrais de la chaîne. Et par contre, en vrai de vrai, ça rend hyper bien, là. Sur ce, voici le résultat avec le style anti-art. Si tu aimes, n'hésite pas à liker et à t'abonner, frérot, ça me ferait hyper plaisir. Et mets aussi